Aujourd'hui, je vais me battre contre Illuminati Secret Society. Eux ont plus 4 à moins que je les outwit. Ça veut dire que je dois avoir... pour les outwitter, il faut que je révèle de ma main ou de mon jeu 3 cartes avec des coups différents. Ensuite, quand ils strike, chaque joueur doit révéler leur main et discarder 2 cartes qui sont comprises entre un coup de 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, l'Illuminati va se transformer. Ça veut dire que je vais tourner la carte de l'autre côté pour révéler l'autre face des Illuminati. Je vais jouer avec Subjugate with Obedience Discs. Donc, essentiellement, ce que ça fait, c'est qu'il y a 11 twists dans le deck de Villain. Et puis, quand il y a un twist qui va sortir, je vais mettre la twist en dessous de un des espaces de HQ. Et puis, le héros dans l'espace de HQ va me coûter un de plus pour chaque twist en dessous. Je pourrais pas mettre plus que 2 twists. Et puis, dès qu'il y a les 10 twists, 10 twists sur 11 ont été installés, la partie est terminée. Je vais jouer avec Gladiator Hulk, Miek the Unhive, puis No Name Brood Queen. Dans le deck de Villain, il va y avoir les Illuminati et puis les Cytoplasm Spikes. Dans mon deck de Bystander, il y a les New Mutants et dans les Sidekicks, il va y avoir les Pet Avengers. Donc je bosse tout ça et on commence. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skim Twist. Il y a une carte ici qui va me coûter une de plus. Je vais la mettre en dessous de Surprise Attack qui va me coûter 3. Dorénavant, je vais mettre un piton comme ça pour dire que c'est ça que ça va me coûter. Il faut que je fasse le code d'une carte. Je crois que ça sera Surprise Attack, justement, que je vais renvoyer en dessous du deck. OK. Bon, j'ai 4 pour acheter. Je vais aller chercher Bursting with Life. Ça me permet de faire des codes cartes de mon deck. Et puis, ça va m'aider à avoir un deck en meilleure forme. Deuxième, Skim Twist encore. Je vais le mettre ici. J'ai 4, ma même chose. Je vais en profiter pour aller chercher... Gladiator Hulk. Ça. Ok, not bursting with life. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Unchain. C'est une trap. Et puis d'ici la fin du tour, je vais discarder 2 cartes de la même classe. Fait que soit vert, jaune, rouge, noir ou bleu. Ou sinon, je vais souffrir d'un cross-dimensional Hulk Rampage. Et c'est pas ce tour-là que ça va arriver. Donc, je vais souffrir du cross-dimensional Hulk Rampage, probablement. Donc, je vais faire piocher une carte avec mon Don't Make Me Angry. Je me retrouve avec 3 de recrutement et 3 d'attaque. Avec mon 3 de recrutement, je vais aller chercher Bursting with Life encore. Et c'est tout. Donc, je prends une blessure parce que j'ai pas... En fait, c'est une fois que j'ai pioché ma main. 1, 2, 3, 5, 6. Si j'ai une hug dans mes mains, je suis correct. Et non, j'ai pas de hug, donc je prends une blessure pour ça. Prochain tour, Skim Twist. Je vais la mettre ici. Je vais faire le code d'une carte. Ce sera Surprise Attack. Je pense que tantôt j'ai pas fait un autre code carte là. Donc, je vais faire un autre code pour le Skim Twist de tantôt. Ok. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ce 6, je vais aller chercher. This bug smashes you. Il me coûte 4. Et puis avec 2, je vais aller chercher un sidekick. Voilà. Puis avec. En fait, avec mon 2. En fait, j'ai joué 4 pour aller chercher this bug. Et puis je vais jouer mon 2. Je dis. Ça dit you may feast. Je vais le faire. Donc, ça feast sur une carte. Grise.
Je joue mes choses dans l'ordre. Il me reste un point d'attaque. Ça ne sert à rien, ce tour-là. Ça va être Master Strike. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir que je discarte deux cartes entre 4 et 1. Donc, j'ai pas le choix. C'est mes deux cartes spéciales. Et puis, eux se transforment. Donc, de ce côté-là, à chaque fois que je dois piocher des cartes, un nombre X de cartes, quand il y a un effet qui me fait faire ça, donc, je dois aussi défausser une carte. Et puis, quand il va striker, je dois défausser deux cartes dans des coups entre 5 et 8, et ensuite, lui se transforme. Donc, j'ai vraiment rien. J'ai une blessure, 2 d'attaque. C'est vraiment un tour perdu. Et je dois jouer une autre Master. Un Cytoplasm Spikes. À cause de Master Strike, il fallait que je la remplace. Donc là, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue mon tour. Black Bolt. Ok, lui. N'importe quand dans mon tour, un nombre de fois que je souhaite, je peux défausser des cartes de ma main qui n'ont pas de texte. Donc, qui n'ont pas d'effet de texte en bas. Par exemple, comme un Shield. Comme un Shield Trooper ou un Shield Officer ou un Shield Agent pour donner moins 2 à Black Bolt. J'ai 4 et 2 d'attaque. Ça coûte un de plus. Je vais aller chercher Seize the Throne qui me permet. Qui a Smash 3 et qui me permet de transformer cette carte-là en Hulk is King. Et celle-là est vraiment intéressante parce qu'elle me permet de déclencher, essentiellement déclencher des effets de Smash sans défausser de carte. Donc chaque fois que je défausserai cette carte-ci à cause d'un effet de carte, je la reprends et je la remets dans ma main. Donc voilà, donc Seize the Throne. Ça me coûte 4, il me reste 2 d'attaque, il n'y a rien à faire avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Six. Skim Twist. Je vais mettre ça ici. Là, j'ai mis dans l'ordre de gauche à droite, mais je ne serai pas obligé de le faire. Je vais enlever Surprise Attack. Ah, celle-là est plus intéressante déjà. Coûte plus cher, mais plus intéressante. Bon. D'accord. Donc, j'ai Red Wing ici, qui me permet de regarder la top 3 cartes de mon deck. J'en mets une, j'en pioche une, et puis je mets les autres dans l'ordre de mon choix. Donc, je vais faire ça. 1, 2, 3. J'en pioche une là-dedans, et je mets les autres dans l'ordre de mon choix. Est-ce que je vais pouvoir faire un KO? Oui, je vais faire un Feast. Donc, je vais mettre la blessure sur le dessus. Et puis, est-ce que je prends du recrutement? 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 6 de recrutement. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre le recrutement que je vais mettre dans ma main et les autres, je vais mettre sur le dessus du deck. Donc, Bursting with Life me fait faire un Feast. Donc, pas de problème. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter de belles cartes. Je vais aller chercher Devouring Frenzy. Donc, ça, ce que ça fait, ça me donne 2 de recrutement et puis je peux regarder la top card de mon deck et puis je la remets soit sur le dessus ou en dessous. Et si j'ai joué une jaune avant, je peux faire un Feast. C'est bon. J'aime ça. Même chose qui vient de sortir. Et puis, j'ai 2 d'attaque. Qui aurait un smash, mais j'ai pas de carte à défausser. En fait, j'ai payé Devouring Frenzy une carte de trop. Ouais, j'ai fait Devouring Frenzy une carte de trop. Alors, je vais attendre. Je voulais battre le Cytoplasm Spikes, mais je vais attendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc, je dois défausser des cartes à ma main qui valent entre 5, 6, 7 ou 8. J'en ai pas.
Et puis, ensuite, elle se transforme. En plus de ça, je dois jouer une autre carte. Doctor Strange. Lui, en ambush, chaque joueur qui peut pas outwitter Doctor Strange discarde une carte. Donc, outwit, ça veut dire que je peux révéler des cartes de valeur avec des trois valeurs différentes. Comme là, j'ai seulement 3 et des 0. J'outwit pas, donc je vais défausser une carte. Je vais recruter, moi, ce tour-là. Fait que je vais acheter de l'attaque. Voilà. Donc, je vais jouer donc, mes Miengri. Je pioche une carte. C'est un point d'attaque. Je peux même l'utiliser pour faire Smash 2. Donc, j'ai plus 2 ce tour-ci. Je vais utiliser 1 pour avoir 3. Je vais aller battre le Cytoplasm Spikes. Et puis, lui, je fais un Feast. Donc, je vais faire le code du top de mon deck. Et puis, si ça avait été un héros non gris, j'aurais eu plus 2 de recrutement supplémentaire. Mais c'est pas le cas. Ensuite, je peux faire un feast si je le souhaite. Je vais le faire. Feast. Et puis j'ai 4. J'ai 4 de recrutement. Je vais aller chercher This bug smashes you encore. Voilà. Une. Deux, trois, quatre, cinq, six. Doctor Strange, est-ce que j'outwit Doctor Strange ou pas? Donc j'ai du 4, j'ai du 0, j'ai du 3, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc je vais utiliser This bug smashes me, you en fait. Je vais défausser un point de shield pour avoir smash 1. Je vais jouer Seize the Throne. Je vais défausser un point de recrutement pour avoir Smash 3. Et puis, ça dit. Ensuite, si j'ai défaussé au moins 2 cartes ce tour-ci, ce qui est le cas, je transforme lui en Hulk. Donc, je le transforme en King is Hulk. Et puis, dorénavant, ça, je dois la mettre sur le dessus de mon deck. Et puis, dorénavant, à chaque fois que je vais défausser cette carte-là pour quelque raison que ce soit, je la remets dans ma main. Donc, sur le dessus du deck. Et je dois rappeler que une fois la transformation, on garde encore les bénéfices de la carte. Et par exemple, la carte précédente me donnait Smash 3. J'ai encore Smash 3, donc j'additionne les points. Sur ce que j'avais déjà accumulé. J'ai 2 points de recrutement. Je vais aller chercher un sidekick. Et puis j'ai 6 pour attaquer. Je vais aller battre Doctor Strange. Avec mon 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Computer Hacker qui se fait ramasser par Doctor Strange. Bon, on va voir l'effet ici. Donc, This bug smashes you. Je vais déclencher son effet de smash avec King Hulk. Hulk is King. Et puis, quand il y a un effet de carte qui fait que je défausse cette carte-ci, ça serait le cas. Je le défausse pour le smash 1. Je peux retourner la carte dans ma main. Ce que je vais faire. Donc, Miek a plus 1. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Ça ferait 8. Bon, j'ai 2 d'attaque. Je vais. 2 de recrutement. Je vais aller chercher un sidekick. Je vais aller battre Doctor Strange. Et puis lui me fait libérer la Computer Hacker. Et elle, ce qu'elle fait, c'est que à la fin de mon tour, je vais piocher une carte supplémentaire quand je vais refaire ma main. Je vais mettre ça ici pour m'en rappeler. Voilà. Donc je vais piocher 7 cartes au lieu de 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 7. Je révèle une Scheme Twist.
Je vais augmenter le prix de cette carte-ci. Comme ça, je fais le KO d'une carte. Ça va être celle-là aussi. Ok. Oh, une main quand même très puissante. Bon, je vais faire This Bug Smashes You. Et je vais. Je vais défausser une carte. Non, je ne vais pas défausser de carte. Je vais garder ça comme ça. Par contre, je vais faire la deuxième carte qui est Devouring Frenzy. Je regarde la top card de mon deck et je la remets soit dessus ou en dessous. Et puisque j'ai joué une jaune avant, je peux faire Feast. Donc je Feast. Celle-là. Je vais utiliser Bursting with Life. Je vais faire un Feast dessus de mon deck. C'est le Sidekick. Je vais recommencer mon Feast. C'est un Shield Agent. Je vais jouer mon Hulk. Draw a card. C'est Zabu. Je vais défausser un point de recrutement pour avoir Smash 2. Non, même pas. J'ai pas besoin de faire ça. Ici, je vais utiliser Zabu. Je KO une carte de ma main de ma discard pile. Je vais faire le KO d'un point d'attaque comme ça. Puis lui, il s'en retourne en dessous du deck. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. J'ai 7 points de recrutement. Je vais en profiter. Je vais aller chercher King Hulk, Seize the Throne pour avoir King Hulk éventuellement. Il me reste 2 points parce que celle-là me coûtait. Elle me coûtait 5. Je vais chercher un sidekick. Et c'est Lockheed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai combien de cartes de Federico? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quand même 5 shields d'enlever de mon deck. C'est quand même très bon. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Doctor Strange Possessed by Zoom. Lui, en ambush, il capture 3 bystanders et puis il y a plus 1 pour chaque bystander dans la ville. Donc il y a plus 3. Ok. Donc il faudrait que je le batte de 8. Ça sera pas possible ce tour-là. Est-ce que je vais pouvoir faire un achat? Pas ben ben plus. Je pense que je vais aller chercher une Shield Officer pour augmenter mon. Ma capacité d'achat. Donc je vais payer 3 pour aller chercher une Shield Officer. Comme ça. Ouais. Deux, trois, quatre, cinq, six. Le Cytoplasm Spikes. Ok, une grosse main encore. Ok, je peux faire un Feast. Je pense que je vais le faire. Donc, je vais utiliser Bursting with Life. Feast. Je Feast sur un Hulk. Et puis là, ici, ça dit que si je Feast sur autre chose qu'un... Autre chose qu'un héros gris, je transforme en Torrent of Broodlings. Et j'ai toujours le 2 points de recrutement, d'ailleurs, pour ça. Et c'est la carte transformée s'en vient dans ma main, à moins que ce soit indiqué le contraire. Donc, je vais utiliser Torrent of Broodlings pour faire piocher une carte. Et là, j'ai mes 2 de recrutement supplémentaires. Je vais avoir Smash 1 ici, que je vais déclencher avec Hulk is King. En fait, non. C'est pas ça que je vais faire. Je vais défausser une carte pour ça. Parce que je vais vouloir déclencher l'effet de Seize the Throne. Donc pour ça, je dois. Faut que je défausse au moins des cartes. Quoique King is Hulk ici, c'est intéressant. Ça dit quand un effet cause.
quand il y a un effet de carte qui fait en sorte que je dois défausser cette carte-là. C'est-à-dire, when a card effect causes you to discard this card. Donc, on dirait que c'est fait, la discard elle est faite. You may return this discard to your hand. Donc, je peux la retourner de ma main. C'est comme si elle allait faire un voyage déjà dans la défausse. Bon, je vais le faire comme ça. Donc, je vais, au lieu de défausser une carte, je vais faire Hulk is King. Et je vais considérer qu'il y a un effet déjà de défausse, de fait. Ensuite, je vais faire Smash 3, Hulk is King, même chose. Et puis, je vais transformer Seize the Throne en Hulk is King, que je vais mettre sur le dessus de mon deck. Comme ça. Avec mon Hulk is King, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points d'attaque. Et puis, est-ce que j'outwit? Oui, j'outwit les Illuminati. Donc, je vais attaquer Illuminati avec ça. Je vais en profiter. Donc, Black Bolt Omnishout. Chaque joueur révèle leur main de carte et discarde deux cartes avec qui n'ont pas de texte. Bon, je vais défausser mes deux shields. Il me restait ça dans mes mains. Et puis ensuite, il transforme. Voilà. J'ai deux points pour recruter. Je vais aller chercher un sidekick. C'est un vrai sidekick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Ok, je vais faire augmenter le prix de celle-là parce que je pense pas que je vais l'acheter. Donc je vais garder les cartes que j'ai le potentiel de vouloir acheter durant la partie plus basse. Je vais faire le code de cette carte juste pour voir. Même chose. Bon. Ok. Bon, un Hulk is King, oui, on l'avait prédit. Je vais regarder la top card de mon deck. Puis je peux la mettre sur le dessus ou en dessous. Je vais le mettre en dessous. Comme ça. Je vais faire Bursting with Life. Je vais faire un Feast. Donc je feast sur une carte qui n'est pas grise. Donc lui, No Name se transforme en Torrent of Broodlings que je vais jouer immédiatement. Donc je pioche une carte. Et maintenant que les Illuminati sont de ce côté-là, à chaque fois que je pioche une carte, je vais aussi en défausser une. Donc je vais avoir beaucoup de recrutement. Je vais défausser mon attaque. Je vais défausser mon attaque. Je vais en profiter pour avoir plein de recrutement. Ah, en fait, je peux défausser mon Hulk. Et puis là, je peux le ramener dans ma main. Mon Hulk is King. Donc, ouais, il n'est pas affecté par les Illuminati, lui. Ok, donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque. Je vais aller battre Cytoplasm Spike. Ça va faire le... Je vais faire le Feast du top de mon deck. C'est Lockheed. Et puisque j'ai fait un Feast... Hop, il va aller dans le discard. J'ai 2 points de recrutement supplémentaires. If Cytoplasm Spikes feast on a non-gray hero, ce qui a été le cas, j'ai plus 2 de recrutement. Donc, merci. Merci, merci. Et puis, j'ai d'autres points de recrutement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 points de recrutement. Tiens, je vais aller chercher Don't Make Me Angry avec 4. La rare de Hulk. Je vais aller chercher This Bug Smashes You, qui me coûte 4 aussi. Et puis il me reste 2. Je vais aller chercher un sidekick. C'est un vrai sidekick. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma défausse, là, il me reste 1, 2, 3, 5, 6, il me reste la moitié de mes cartes de shield, mais j'ai quand même beaucoup de cartes achetées. Donc, faire des feasts commence à être un peu plus risqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc, je dois défausser des cartes qui valent de 5 à 8.
Donc, j'ai juste 2-5. C'est les deux Broadlings. Et ensuite, il se transforme. Et ensuite, je vais jouer une autre carte. Master Strike. Je vais défausser des cartes de 1 à 4. Bon, ça va être le Sidekick et Devouring Frenzy. Ça revient au même. Presque. Et ensuite, il se transforme. Et j'ai un autre. Master Strike. Je dois défausser des cartes de 5 à 8 et ensuite il se transforme. J'ai un autre. Ok, Black Bolt. Bon, à mon tour, je vais acheter un Sidekick. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skim Twist. Qu'est-ce qui va me coûter plus cher? J'aimerais bien ça et aller chercher Gladiator Hulk. On va voir si je suis capable de faire ça tantôt. Ok. Alors, je dois défausser une carte. Ça va être celle-ci. Faire la code d'une carte. Hop. Alors, c'est Myek qui vient d'arriver. Comme ça. Bon. Je vais faire Smash 1 avec Hulk is King. Il va y avoir d'autres Hulk is King qui vont sortir. Plus ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que j'outwit? Ce serait vraiment génial. Oui, j'outwit parce que j'ai 0, j'ai 5 et j'ai 3. Ça veut dire que eux me coûtent justement 11 à battre ce tour-ci. Je vais juste calculer pour voir si j'ai vraiment bien mon nombre de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais aller battre les Illuminati encore. Oh, Hulkbusters Hammer Fist. Chaque autre joueur révèle leur main et KO une noire ou une verte de leur main ou de leur discard pile. Et puis les Illuminati se transforment. Est-ce que j'ai noir ou vert? J'en ai pas. Donc il n'y a rien qui se passe pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'ouvre la machine. Ok, Hulkbuster Iron Man. Lui, il a plus 3 à moins que je l'outwit. Parfait. Est-ce que je peux avoir un autre gros tour comme celui-ci? Ah, ça serait bien génial. Je vais utiliser mon sidekick pour ouvrir la machine. Une, deux, très mauvais. Je vais utiliser mon Smash, Don't Make Me Angry. C'est très mauvais. Mais peut-être aurais-je un meilleur tour plus tard. Donc je vais défausser. Non, je vais utiliser Hulk is King pour défendre. Pour utiliser le Smash 2 de Don't Make Me Angry. Je vais utiliser This Bug Smashes You avec Hulk is King pour faire son Smash 1. Ensuite, j'ai 3. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Je vais aller battre Doctor Strange parce que lui, il possède 3 bystanders et peut-être que ça va me sauver la donne. Donc, premier bystander que je sauve, paramédic. Quand je sauve ce paramédic-là, je peux faire un code, une blessure de ma main, de ma discard pile. J'en ai pas. Deuxième, la Rockstar. Quand je sauve ce bystander-là, je peux sauver un autre bystander. Donc, je vais prendre de la pige. Le Comic Shop Keeper. Donc, ça ici, je dois montrer trois cartes dessus du deck. Et puis, je peux mettre dans ma défausse une carte qui coûte. Ah, il y a un petit rond. Trois ou moins. Donc, je vais aller chercher Don't Make Me Angry. Et puis, je le mets dans ma défausse. Les autres, je les remets dans n'importe quel ordre. Je vais mettre le Green Scar sur le dessus. Comme ça. Ah, il me reste un bystander à sauver. C'est le News Reporter. Il me fait piocher une carte tout de suite. Donc, je pioche ma carte. C'est un Shield. Mais ça sera pas nécessaire parce que là, tout ce que je peux faire, c'est acheter des cartes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour acheter.
Je vais prendre Endless Appetite. Et si je code des cartes de mon deck, je peux piocher une carte. Mais c'est surtout pour le 3 d'attaque qui est intéressant. Je défausse tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un autre Hulkbuster. Donc, il y a plus 3. Je vais le mettre dessus comme ça pour me rappeler de ne pas oublier. OK. Wow. Est-ce que je peux battre encore les Illuminati? Il me reste très peu de tours. Il me reste 3 tours environ. Donc, je vais utiliser mon Sidekick pour piocher 2 cartes. 1, 2. Je vais utiliser mon Sidekick pour piocher 2 nouvelles cartes. Allez, 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 des bonnes cartes. 1, 2. Wow, OK. Ça, c'est un beau jeu. Je vais utiliser mes cartes comme ça. J'ai Hulk is King, donc je vais faire les effets de Smash sur toutes mes cartes. Ok, j'ai Miek ici, Devouring Frenzy. Je regarde la top card de mon deck. Et puis, je peux la remettre en dessous si je veux. Je vais la remettre. J'aimerais ça l'avoir, elle. Je vais la mettre sur le dessus. Je ferai pas un feast. Je ferai pas un feast. Par contre, j'ai Torrent of Broodlings qui me fait piocher une carte. Donc, je la mets dans ma main. Ah! Et puis j'ai la même chose, je vais piocher une carte avec Smash, Don't Make Me Angry, et puis j'utilise Hulk is King pour exécuter l'effet de Smash de Hulk. J'ai un autre Smash ici avec un Hulk is King, donc Smash 1 encore. Ensuite de ça, j'ai Torrent of Broodlings qui me fait piocher une carte. C'est du recrutement, c'est pas bon. Et j'ai 6, 7. Ok. Il reste plus de Master Strike. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19 pour me battre contre eux. Donc je vais commencer par battre une fois les Illuminati avec 11. Doctor Strange, Orb of Agamotto. Donc, chaque autre joueur révèle leur main et discarte une bleue ou une jaune et les Illuminati se transforment. J'en ai pas dans ma main, j'ai juste des shields. Les Illuminati se transforment. Voilà. Donc, j'ai utilisé 11. Fait 1, 2, 3. Ça, c'est utilisé. 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. Et 11. Ça, c'est mon 11. J'ai des points de recrutement. Quelques points de recrutement. J'ai 5 de recrutement. Et puis, il me reste 8 points d'attaque. Est-ce que j'ai out 8? Ah oui, j'ai out très probablement. J'ai 5, j'ai du 5, j'ai du 0. Donc les Hulkbusters me coûtent seulement 6 à battre. Donc je vais battre un Hulkbuster, il me reste 2. Il me reste 5 points pour recruter. Je vais aller chercher. Ah non, elle me coûte 5. Donc this bug smashes you. Comme ça, avec un surprise attack. C'est chaud, je sais vraiment pas si je vais être capable de réussir cette joute-là, parce que je sais que là, j'aimerais seulement 2 tours, parce que ça devrait être 4 twists, à mon avis, parce qu'il y en a 11 dans le jeu, et il y en a déjà sorti 7. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis, à la 10e, je perds la partie. Donc, il me reste seulement 2 tours pour réussir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est probable que je réussisse.
Donc, je vais laisser faire la rare de Hog. De toute façon, j'ai plus le temps. Je vais faire le code d'une carte. Ça va être celle-ci. De toute manière, c'est plus le temps d'acheter, là. C'est le temps de se battre. Donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas si je vais être capable de réussir ça. Je vais faire draw a card. Ça me fait piocher This Bug Smashes You. Ok. Je vais défausser un Shield Hero pour avoir Smash 2. Ensuite, je vais faire la même chose ici pour avoir Smash 1. J'ai ici 3, 4, ça sera juste pas assez. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Je vais aller battre Iron Man. Iron Man qui a 9. Et puis là, c'est mon dernier tour. Mais j'ai de l'espoir. Toutes mes grosses cartes de Hulk sont encore dans le deck. Et puis, faut que je réussisse ce coup-là. Donc, je révèle, c'est une Scheme Twist, je le savais. Ils vont y voir ce que j'ai. Donc, j'ai une King is Hulk. Shield Trooper. This Bug Smashes You, que je vais pouvoir triggerer avec mon King is Hulk. J'ai un autre King is Hulk. J'ai Torrent of Broodling. Puis Shield Officer. Ça va être serré, je crois. Donc, ça va dépendre de ce que je pioche ici. Donc, je vais piocher avec Torrent of Broodling une carte. C'est This Bug Smashes You. Ça peut arriver. Donc, je vais utiliser celui-là avec King is Hulk. Hulk is King, c'est-à-dire. Et puis, je smash de 1. Même chose, je révèle mon Hulk is King. Je smash de 1. J'ai 6 de mieux ici, plus 1. Et quand j'ai pioché une carte, puisqu'il est de ce côté-là, il fallait que je défausse une carte. Puis ça va être celle-là. Ah, je pense que j'aurais même pu utiliser Hulk is King, mais c'est pas grave. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Faut que je survive à ça ici. Donc, Zom Manacle of Living Bondage. Donc, chaque autre joueur révèle un héros rouge ou gagne une blessure. Et les Illuminati se transforment. Je gagne une blessure et c'est terminé. Donc, j'ai réussi à battre les Illuminati avec cette stratégie-là. Il y a beaucoup de manipulation. Ça m'a vu que j'ai fait quelques erreurs, là. J'ai dû revenir en arrière sur certains moves. J'espère pas avoir fait trop d'erreurs dont je me suis pas rendu compte. J'aime beaucoup la mécanique de transformation. Je sais que ça fait beaucoup de cartes à manipuler. Puis, bon, des fois, les cartes vont sur le dessus du deck. Des fois, ils vont dans notre main. Bon, heureusement que j'ai des jetons comme ça. Je pense que c'est essentiel là, pour garder le tracking de ce qui se passe, là, parce que quand il y a une carte qui s'en va, qui est transformée, on garde encore son effet. Et ça peut être problématique si on n'a pas rien pour prendre des notes. Ça a été chaud, les illuminations sont pas évidentes. Et puis, bon, j'aime beaucoup, beaucoup Miek. Je trouvais qu'il a très bien fonctionné. Broadling m'a permis de faire des cold cartes. Heureusement que j'ai fait cold. J'ai coldé plusieurs cartes dans mon jeu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait le cold. 5 cartes de shield. Fait que ça, c'est vraiment pas à négliger, là. Ça a été vraiment un move important là, pour faire accélérer mon deck. Et avoir été performant comme ça. Donc, prochaine fois, je pense que je vais essayer Modox avec des personnages des Avengers qui venaient dans l'extension. Donc, on se voit plus tard.